chers collègues, chers soutiens élus politiques, et également la presse et la population qui est là. Au nom de l'intersyndicale, je suis extrêmement contente et fière de vous avoir avec nous. Comme vous le savez, nous sommes en lutte depuis le 7 juillet à l'annonce d'un plan qui vise la suppression de 345 postes. Cette suppression, ça veut dire tout simplement que l'avenir d'Hydro à Grenoble, voire en France, est menacé. Pour l'intersyndicale et pour les salariés de GE, il est hors de question que le fleuron de l'industrie française parte ailleurs. La France doit vivre avec nous, elle doit faire avec nous, nous sommes là depuis 100 ans. On ne va pas laisser mourir ce que les anciens nous ont transmis. Hydro, c'est une entreprise qui fabrique des équipements de haute technologie pour des barrages pour les quatre coins du monde. Nous sommes les premiers leaders mondiaux en termes de puissance installée. Nous avons des cycles complets qui vont de l'ingénierie, la recherche, la gestion de projets complexes aux quatre coins du monde, la fabrication, la mise en service et les périodes de garantie que nous assurons avec sérieux. Nous sommes une entreprise qui ne veut pas mourir. C'est pourquoi nous avons demandé le soutien des politiques dès le départ. Les élus politiques sont avec nous, comme vous le savez, dès le départ. Nous avons aussi demandé au gouvernement de revoir ce plan et d'utiliser son droit de veto qu'il possède à travers les actions d'Alstom via Bouygues et d'utiliser ce veto parce que nous sommes une entreprise qui est d'utilité publique et l'État se doit de prendre ses responsabilités. Il se doit de nous aider. Donc, pendant ces deux mois, il y a eu des avancées, mais pas suffisamment, parce que nous sommes face à une direction qui reste aveugle. Il y a un silence. Un silence assourdissant. Donc, nous avons entamé une lutte, une mobilisation depuis 7 jours. Jour et nuit, les salariés sont sur place, en toute sécurité, d'une manière très pacifique, nous discutons, nous mettons nos compétences au service de tous, nous faisons des tables de discussion, des tables rondes, pour voir ce que l'on peut faire. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que ce sont les syndicats qui manipulent, ce sont les salariés qui eux-mêmes nous font part de leurs suggestions, et parce qu'ils sont intéressés par leur boulot. Il était donc tout à fait naturel de solliciter des élus aussi nationaux. Et comme vous savez, Émilie Marsh, que je vous demande d'applaudir. Elle est à nos côtés depuis le début de cette mobilisation et bien avant. D'ailleurs, maintenant, certains se demandent dans quel service travaille-t-elle. Ça m'étonne. Moi, je leur ai dit que comme on va annuler ce plan, après, on pourra l'embaucher. Donc, grâce à Émilie, nous avons beaucoup travaillé et Jean-Luc Mélenchon a enfin pu se libérer pour venir nous apporter son soutien. Je...
Bon, je sais que, évidemment, Jean-Luc est la star, mais je veux quand même votre attention pour Andrea Cotea. Cortarac, pardon. C'est ma spécialité. Mathilde Panot, députée de Val-de-Marne, qui sont également avec nous aujourd'hui. Bien entendu, vous connaissez déjà le maire de Grenoble, Éric Piolle, à plusieurs reprises. Bernard Macré de la Métropole, que vous connaissez déjà également, n'est-ce pas? Et le maire de Chirol, Monsieur Réseau Sully. Voilà, je passe la parole à Émilie qui a quelques mots à vous dire. J'ai déjà trop parlé. Alors juste, nous, on crie jamais le nom, on crie résistance. Bravo. Donc juste, on va tous commencer par crier résistance, parce que là on lutte contre l'intérêt général. Donc tous pour montrer, il faut que, pour excusez-moi, je suis fatiguée, pour l'intérêt général. Et donc là, pour que ça entende depuis Paris, depuis où ils sont le gouvernement, on va tous crier résistance en levant le poing gauche. Allez. Résistance. Moi, je tiens juste à vous dire que c'est vrai que je suis passée tous les jours et franchement, votre lutte, elle est admirable. Parce qu'il y a une intersyndicale qui travaille ensemble et ça fait plaisir. Et si dans tout le pays, on pouvait faire pareil, on arriverait à les faire plier. Donc vous êtes un exemple. Et aussi de voir la non-différence entre les usineurs, entre les cadres, pour lutter pour cet intérêt général, pour que ces turbines qui ont 100 ans, ce site, y continuent. Parce que sans ce site, eh ben on n'y arrivera pas à la transition énergétique. Et ce savoir-faire, on doit le conserver. Parce que c'est votre métier, c'est votre savoir-faire, vous le faites bien. Donc c'est pas à quelques capitalistes, pour se gaver encore plus, qui doivent décider de laisser partir. Et c'est votre usine. Alors, on lâchera rien. Donc là, je vais laisser la parole à Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise et qui est dans la commission développement durable. Merci Émilie, merci pour votre accueil extrêmement chaleureux. On est extrêmement émus de venir aujourd'hui vous soutenir dans cette lutte qui est une lutte d'une importance nationale, voire même d'une importance mondiale, parce que Émilie l'a dit tout à l'heure. Là, on n'est pas dans les petites questions de court terme du gouvernement actuel. On est dans une question de la survie de l'espèce humaine. Et Macron et sa clique, quand ils font des politiques telles qu'ils font aujourd'hui, où ils sacrifient constamment l'intérêt général pour la liberté d'entreprendre, le business, etc., et ben c'est une vision de court terme et ça ne nous convient absolument pas. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement fiers d'être là aujourd'hui. Parce que vous le savez, l'énergie hydraulique, c'est la première énergie renouvelable aujourd'hui en France. Dans l'accord de Paris et dans les engagements internationaux qu'a pris la France, cette énergie hydraulique, eh ben, ça doit devenir la première en énergie renouvelable. Et d'ici 2030, la France a pris un engagement d'être à 30% d'énergie renouvelable. Donc, elle a pris ses engagements, mais puisqu'elle veut liquider ce site, comment respecte-t-elle ses engagements? Est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle quand même du foutage de gueule? Tout à l'heure, on a vu les ouvriers, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est un de voir des ouvriers qui sont là depuis 36, 40 ans, 20 ans, donc qui ont des carrières longues, qui nous disent « Moi j'ai 100 ans d'expérience, j'ai 100 ans de savoir-faire » parce qu'on s'est transmis ça de génération en génération. Et vous voyez là, la loi travail que fait le gouvernement Macron en ce moment, eh ben, c'est justement briser ces carrières longues. C'est justement briser le fait que nous ayons des savoir-faire et c'est briser le fait que ces savoir-faire restent en France et puissent se transmettre et justement renouveler toute notre manière de produire et de consommer. Donc ce qui se passe ici est symptomatique de ce que veut faire le gouvernement Macron, c'est-à-dire ne pas respecter ses engagements et mettre en danger
tout notre écosystème et donc toute notre vie humaine. Donc nous, nous sommes avec vous, nous sommes extrêmement fiers d'être là aujourd'hui. Bravo à vous et continuez, la France Insoumise est mille fois avec vous. Bravo à vous. Mes amis, j'ai, en venant ici, le privilège de l'âge. L'entreprise Alstom, ça me parle, parce que j'ai connu les épisodes précédents. J'ai connu, jeune homme, les grèves et les actions des salariés de l'Alstom Belfort. Et les premières fois de ma vie que j'ai vu des aubes ou des pales, c'était à l'Alstom Belfort. Et j'ai su, dès très jeune, que ces choses qui, pour un intellectuel comme moi, séparées par une génération de la classe ouvrière, que ces choses magnifiques qui incarnent le génie humain nécessite pour être mise en œuvre des savoirs, des qualifications et pour mieux dire un amour du métier qui ne se quantifie pas, qui ne se met pas en chiffres, qui est l'attachement de la personne humaine à son œuvre, qui a vu une de ses pièces arriver toute droite avant que le poinçon n'aille lui donner sa forme et ensuite que tous ceux qui ont à en connaître. Je ne vais pas citer chacune des qualifications, je vais me faire des ennemis sur j'en oubliant. Tous ceux qui ont à en connaître passent tout ce temps à travailler pour que la forme qui a été imaginée comme étant la plus performante sur le plan hydraulique dans le bureau d'études, où on est encore dans le domaine des idées, de la conception. Et voici qu'avec leurs mains et leur cerveau, parce que naturellement une main sans un cerveau, ça n'existe pas, les voici avec cette machine énorme, cette presse gigantesque, en train d'affiner la pièce jusqu'à ce qu'elle ait exactement la forme qui va permettre le rendement maximum. Ces choses, ces objets qui sont le résultat du génie humain, elles nécessitent qu'auparavant aient été accumulés les savoirs. Il nécessite une capacité de coopération de tous ceux qui travaillent pour qu'un geste s'ajoute à l'autre jusqu'à ce que la machine soit au point et prête à fonctionner. Merveille que cette moitié du barrage des Trois Gorges, on peut discuter écologiquement de la valeur du barrage en question, parce qu'il a quand même fallu en noyer une quantité, hein. Mais c'est quand même la merveille de ces machines qui vont dorénavant tourner et doivent tourner sans que jamais il n'y ait un incident. Alors auparavant, il y aura eu les ajusteurs, les tourneurs, tous ces métiers. Et puis, cet homme couché dans la pièce, 80, évidemment, tu vois, j'ai pris un risque. Hein. J'étais sûr que ça allait mal tourner pour moi, mais attends, ça vient. Et ces hommes étalés dans la pièce, qui est à 80 degrés, et qui font la soudure. Il faut que le métal auparavant ait été parfait. Il faut ensuite que la soudure soit parfaite. Tout se joue à ce moment-là. Voilà l'homme qui est couché, qui va passer des heures. Et tout se joue là. Son travail ne peut connaître aucun défaut. Dans combien de métiers présente-t-on une exigence de ce niveau ? Zéro défaut. Car au moindre défaut, la pièce casserait. Respect Mélenchon. Voilà. Voilà la vérité. Voilà. La splendeur du travail. C'est moi qui vous parle de ça, je le fais exprès. J'essaye de parler aussi bien que vous le feriez vous, qui vous êtes couché dans cette fichue pièce, ou qui avez fait le reste du travail. Et pourquoi je le fais? Parce que je suis excédé d'entendre ces petites têtes d'œufs sans arrêt nous bourrer le crâne avec leur entreprise. Ils ne savent pas ce qu'est une entreprise. Pour une entreprise, c'est un placement ou une décision qu'on prend dans un bureau. Ils ne savent pas qu'une entreprise, avant toute chose, c'est un collectif humain, c'est de l'humanité, c'est du savoir, c'est de la beauté, c'est de la poésie que l'on ressent en soi, en voyant l'objet naître de ses mains. Voilà ce que c'est une entreprise.
Il suffit pas d'aligner le pognon. Arrêtez ça, bande d'incapables. Patronat débile. MEDEF juste pour en ramasser les subventions. Est-ce que vous croyez qu'on me remettrait en route une usine comme celle-là simplement parce que vous l'auriez décidé? Non, bien sûr que non. Si comme l'a dit ce travailleur tout à l'heure, je lui dis qu'est-ce que c'est ta qualification à toi? Il me regarde de travers. Il se dit, ce Mélenchon, il va encore me parler de diplôme. Évidemment que je parle de diplôme. Les diplômes, ça existe, c'est important. Celui-ci là qui est là devant, il a un BTS. C'est pas vrai? Il a un BTS. D'autres non, mais il suffit pas d'avoir le diplôme. Après, il faut transmettre le savoir. C'est des milliers de choses que tu peux pas apprendre. C'est pas que le diplôme soit mauvais, c'est que tu peux pas l'apprendre autrement qu'en le faisant. Mais pour pouvoir comprendre ce que l'ancien va te dire, faut d'abord que tu aies la base. Parce que tu prends pas un boulanger pour en faire un tourneur, ni un tourneur pour en faire un boulanger. Il faut donc avoir la base. La qualification, c'est la base de tout. Et après, on apprend. Ces choses-là s'accumulent, le savoir humain d'une manière générale, pour tous les êtres humains, c'est du savoir cumulatif. Ça s'empile. Dans votre vie, vous avez passé votre vie à empiler des choses que vous avez apprises. Et ça s'appelle l'expérience. Voilà, c'est tout ça qui est en cause. Ça ne se règle pas avec un trait de plume. Alors ce matin, on me dit que Lafarge, le patron, pourquoi il vient pas là, celui-là? Non mais, on n'arrête pas de me dire l'entreprise, pourquoi il vient pas? C'est lui le chef d'entreprise, c'est pas moi, ni ceux qui sont là. Est-ce que c'est pas à lui de venir ici? Évidemment que c'est à lui de venir ici. Et de dire aux gens pourquoi il prend les décisions. Alors voilà qu'il était là. Il y avait mon camarade communiste Jumel, il y avait mes camarades Coquerel, Ruffin, qu'est-ce qu'il y avait encore, Quatennens, Prudhomme. Alors ils ont commencé à lui courir derrière pour lui dire, bah dis donc, alors pourquoi vous venez pas? Pourquoi vous n'allez pas voir les gens? Pourquoi vous leur parlez pas? Pourquoi vous leur dites rien? Qu'est-ce qu'il a dit à la commission? Nous, on est en face de gens qui ont une action de plus que nous. Une action de plus que nous. Pour une action, on n'a plus rien à dire. Mais quel genre de dirigeant vous êtes? Quel genre de Français vous êtes? Si vous vous désintéressez de votre patrie, au point de penser que parce que quelqu'un a une action de plus que vous, vous n'avez rien à dire sur le fait qu'une industrie de pointe est là. Et quand on a dit, comme l'a très bien dit Mathilde Panot à l'instant, c'est une industrie de pointe parce qu'elle répond aux besoins de pointe de l'humanité. C'est maintenant qu'on a besoin d'avoir ce savoir-faire, plus qu'à n'importe quelle autre époque. Fabriquer des turbines qui fonctionnent sans défaut, c'est un besoin immense, nous autres les Français. Quand un jour on finira par prendre la bonne décision, qui est de passer au 100% renouvelable, il faudra des centaines, il faudra des milliers de turbines. Je le sais moi, parce que quand on m'a dit que peut-être que nous aurions, nous, la direction du pays, je me disais, c'est marqué dans le programme, comment on va faire? Qui va le faire? Je connais des pays où nos amis ont exercé les responsabilités, ils pouvaient décider ce qu'ils voulaient, il n'y avait personne pour faire le boulot, il n'y avait pas la qualification, là on l'a. C'est vital pour nous de garder cette usine. C'est pas juste un acte de solidarité que je fais, bien sûr, de grand cœur avec vous, de grand cœur. Mais c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt humain qui est en cause dans tout ça. On ne peut pas laisser perdre ce savoir-là. Alors bien sûr, il y a les 350 emplois, et maintenant je crois que vous avez tous compris ça. Mais regardez tous ces donneurs de leçons, la suite ininterrompue de bêtises, de décisions stupides. Quand ces gens-là rendent-ils des comptes? Ils continuent sans cesse à venir en demander aux autres. Et à la fin, vous autres les feignants, qui vous vautrez dans 80 degrés de chaleur pour faire des soudures, vous avez entendu comment ils vous parlent? Que de décisions stupides. Pendant des années, ils étaient là à prendre leur tête de très intelligents. L'industrie, ma foi, ça comptait pas. L'avenir, c'était les services. Et voilà comment ils ont commencé à démembrer
des grandes entreprises. Ils avaient trouvé la formule magique, les intelligents. Ils appelaient ça « on se ressent sur notre cœur de métier ». Et alors vous aviez là toutes sortes d'oiseaux de passage qui gazouillaient autour. Ah oui, le cœur de métier. Ça ne veut rien dire. Quand vous êtes une très grande entreprise, il y a des qualifications qui passent d'un bord à l'autre de la production. C'est pour ça que ça a du sens que dans la même entreprise, vous ayez des trains, vous ayez de la construction navale et que vous avez des turbines. Parce que tous ces métiers sont reliés par des socles de qualifications communes. Et quand vous avez, eh bien oui, c'est pas dur à comprendre, hein, qu'une turbine, vous la mettez dans un train, vous la mettez dans autre chose, c'est pas la même, je le sais bien. Mais les principes mécaniques et les principes de conception sont les mêmes. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir des ensembles intégrés. Non seulement pour la diffusion du savoir professionnel, mais aussi parce que la plupart de ces activités sont des activités cycliques. Vous n'allez pas produire tous les ans 200 turbines, sauf quand nous on sera au pouvoir, là il va falloir remettre un coup, hein, pour rattraper le retard. Ben oui, oui, ben, je ne sais pas si vous applaudirez comme ça à ce moment-là, hein, mais bon. Mais oui, il le faudra. Donc vous comprenez que comme vous avez des activités cycliques, quand vous êtes dans un grand groupe, quand une partie du groupe est dans un carnet de commandes bas, on équilibre les comptes de l'entreprise par la partie où les carnets de commandes sont hauts, n'est-ce pas? Eh bien voilà, nous on n'est pas aussi intelligents qu'eux, mais si on avait suivi ce genre de conseils, l'entreprise n'en serait pas où elle en est. Parce que l'Alstom, on a commencé par enlever la construction navale. Si je m'arrête un instant là-dessus, peut-être que vous avez trouvé que c'est loin la construction navale de vous, mais vous le savez quand même. Regardez bien les gens, cette histoire incroyable. Alors voilà une entreprise qui a 10 ans de carnet de commandes devant elle. 10 ans de carnet de commandes. Et il n'y a pas un capitaliste en France pour aller mettre de l'argent pour racheter l'entreprise. Il faut qu'on aille chercher un Coréen, il faut qu'on aille chercher un Italien. Et parmi eux qui viennent là, avec leur sébile, leur chapeau à la main pour ramasser les subventions, les gâtas et compagnie, ils passent où à ce moment-là? Où ils sont? Où ils sont pendant que l'entreprise, les industries en France sont en train de crouler l'une derrière l'autre? Combien de fois allez-vous nous prendre pour des imbéciles en nous disant « Nous avons passé un pacte équilibré ». Et alors on nous dit, pour General Electric, c'était 1000 emplois, on oublie juste les détails, 1000 emplois de quoi? Quelle est la part pour l'hydraulique? Zéro. Voilà la vérité, moins 345. Or nous les Français, nous avons besoin d'une industrie capable de produire les machines pour produire de l'électricité et les autres bien dont nous avons besoin. On a besoin de ça. On a besoin pour la France de cette usine. Pas seulement pour ses employés. Je le redis. Bien sûr, il faudra, le moment venu, avoir un pacte avec eux. Mais ils n'ont perdu la qualité de pouvoir nous diriger. Parce qu'ils en sont incapables. Parce que seule la cupidité les mène. Regardez que dans ce pays, nous sommes record d'Europe des millionnaires. Regardez que dans ce pays, ils se distribuent plus d'argent en dividendes qu'ils n'en mettent dans la production et l'investissement par conséquent. Ce sont les travailleurs, les salariés, tous ceux qui ont à cœur l'intérêt général humain qui sont capables de penser le futur. Parce qu'ils pensent non seulement à eux-mêmes, ne demandant pour eux qu'une paye qui leur permet de vivre décemment et non pas les millions que ces névrosés nécessitent pour être heureux. Aucun d'entre nous ne rêve d'être milliardaire. Nous rêvons, je le sais, vous rêvez d'être payé correctement, de pouvoir mener une vie normale et d'avoir le bon métier qui permet d'être fier de la journée de travail qu'on a accomplie. Alors les gens, ne confondez pas. Quand vous signez un contrat de travail, c'est clair que c'est un contrat de subordination. Mais il n'y a pas écrit que c'est un contrat de soumission. Commencez par être insoumis, ça vous fait un bon début. Et après, vous trouverez bien ce qu'il y a lieu de faire. Je veux insister sur le fait
que mon passage ici, j'espère... Alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est de la récupération, là, ça me fait bien rigoler. Je me demande que je viens récupérer. Récupérer quoi? Des emmerdements, les vôtres? Enfin, je vous le dis en plaisantant, parce que c'est la députée, une députée qui a dit ça, c'est pas bien qu'elle ait dit ça. Bon, moi je veux bien que vous me récupériez, je suis venu là pour ça, avec Mathilde Panot. Mais alors elle a dit que demain, vous avez un rendez-vous avec le ministre de l'économie. C'est bien, non? Vous êtes content? Il paraît que c'est pas vrai. Eh bien, tout à l'heure, j'ai vu le responsable, deux responsables syndicaux, ils m'ont dit c'est pas vrai. C'est lui, c'est sûr que c'est lui. Eh bien, c'est pas bien si elle a dit un truc qui est pas vrai. Parce que les gens qui sont là, ils ont de l'angoisse, ils se demandent ce qui va se passer demain. On ne doit pas leur dire vous allez rencontrer le ministre, c'est pas vrai. C'est pas pareil, c'est pas avec le voilà. Ouais, ouais. Enfin, on s'en fout lequel c'est, pourvu qu'il y en ait un qui parle. Et s'ils pouvaient être d'accord avec les autres, ça nous arrangerait tous. Voilà, mes amis, toutes ces choses. J'espère qu'on aura attiré l'attention sur nous. Mais je veux poser ce problème de fond de la place de l'industrie dans le pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à dire, allez, on a fait un bon accord, vous allez voir, il va vous donner des... Après, c'est pas vrai. On a fait un bon accord, mais oui, au passage, il n'y a plus une usine comme celle-ci. Et puis après, c'est le train, vous le croyez, une chose pareille? Et mes amis, attendez-vous au pire. C'est Airbus qui est dans les tuyaux aussi. Et quand je vous parle de tout ça, vous autres, qui avez déjà vos problèmes sur le dos, mais je sais que vous êtes comme moi, ça vous fait mal au cœur, vous avez la gorge qui se serre. Vous vous dites, mais c'est nous qui savons faire tout ça. Une de nos fiertés, c'est d'être cette nation technicienne. Parce que la France est une grande nation technicienne. Elle fait des fusées, des bateaux, des avions, des voitures. Toutes ces choses de l'ère moderne et les objets de demain. Des pales, des turbines et les objets de demain. C'est les ouvriers et les ouvrières hautement qualifiés d'aujourd'hui qui les produiront. C'est cela, sans leur savoir, on ne peut pas. Je vous le dis du fond du cœur, on ne peut pas. Il faut absolument qu'une génération suive l'autre sur le poste de travail hautement qualifié pour qu'on arrive à suivre ce mouvement du progrès technique dont on va avoir besoin pour faire face aux changements climatiques et aux autres grands défis qui sont devant l'humanité. J'espère qu'on ait attiré l'attention aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est un moment important parce que je regarde mon pauvre pays et je suis comme vous, j'ai le cœur qui saigne. Je me dis, c'est pas juste, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tout ça ne marchait pas formidablement? Est-ce que c'est pas l'élite des techniciens et des techniciennes qui sont là? Vous voulez qu'on raconte aux autres ce qui se passe avec les roues qui se fabriquent ailleurs? Hein, on pourrait leur raconter à la télé suisse, là, qui font les malins. À se fiche de nous en marquant qualité française à propos de roues qu'on ramène ici pour les remettre d'équerre parce qu'elles ont été fabriquées à l'autre bout du monde par des braves gens qu'on respecte. Mais les autres là-bas, on les respecte parce que c'est des travailleurs aussi, mais ils ne savent pas le faire. Alors peut-être qu'ils savent faire d'autres choses, mais ça là, c'est ici qu'on sait les faire. À quoi bon trimballer des pièces à l'autre bout du monde pour les ramener ici, pour les retoquer et après coller sur le dos de ceux qui sont ici les imperfections qui ont été faites là-bas? Qui c'est qui a demandé de délocaliser? C'est pas nous. Il faut que ce soit moi qui vienne raconter ça. Et vous croyez pas que c'est au PDG, il devrait être là devant vous en train de dire c'est nous les meilleurs? Et voilà, il se cache. Eh ben oui, écoute, moi je l'ai pas dit, c'est toi qui le dis. Hein. Mais c'est vrai, je comprends que les gens ils soient très en colère contre eux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font alors? C'est quoi leur métier? C'est quoi le métier grand patron du truc là? Si bien il dit à une action près, je décide rien, ben va-t'en si tu décides rien. Donne ta paye aux autres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sers à rien. Exactement. Deuxième mot d'ordre après résistance, c'est dégager. Vous servez à rien, on sait le faire sans vous. Ah, je parle cru, hein. Ouais, mais vaut mieux qu'ils l'entendent. Parce que chaque fois que je vais dans une entreprise de haut niveau comme ça, je croise des travailleurs qui sont dedans, ingénieurs, ouvriers sur la machine, et je sais qu'ils savent faire. Fierté, orgueil pour moi, qui suis un intellectuel qui sait rien faire de ses 10 doigts, à part tenir des crayons. Et fierté de savoir que mon pays est capable de faire ça. Et que si demain on le décide, alors on le fera. Non seulement pour nous, mais pour les autres. Nous, on veut bien apprendre aux autres à bien faire. Pas vrai? Oui.
tout à l'heure, c'est ce que vous me disiez. On parlait de ça, vous savez, des pièces qui sont mal faites ailleurs, qu'on ramène ici, etc. Et les copains, ils m'ont pas dit, c'est des bons à rien. Ils ont dit, ça fait de la peine, ils savent pas le faire. On est prêts, nous, à expliquer, à montrer comment on fait. Et chacun, là où il est, tient sa place. Il y a tellement d'êtres humains, il y a tellement de travail à faire. Il y aura jamais trop de monde pour faire ce travail-là. Bon, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous autres, on va vous aider du mieux qu'on peut, chaque fois qu'on peut. Moi, je ne suis pas syndicaliste, hein, les gars. Faites confiance à vos copains. Et surtout, aidez-les, soutenez-les. Parce que tout le monde n'est pas toujours à la hauteur. Hein. Et les syndicalistes, heureusement, qui sont là. Les gars, les filles, ils marchent devant. Et des fois, c'est pas simple, vous savez. Ils se demandent quoi faire. C'est l'élite. Soyez solidaires, les gens, avec ceux des vôtres qui marchent devant. Tenez bon. Essayez de capturer votre patron. Ben quand même, qu'il vienne discuter, non? Il est venu ou pas? Il est déjà venu? Allez, vous me racontez des histoires. Le patron n'est pas venu? Qui c'est qui est venu vous dire que vous étiez bon à rien? Personne ne s'est risqué à ça, hein. Il y a un problème maintenant dans cette direction. Alors comme ça, on va leur fermer une boîte qui a fabriqué les pièces pour les plus grands barrages du monde, et il n'y en a pas un qui vient ici s'expliquer? Il n'y a pas de respect humain? Il pourrait venir vous dire « je peux pas faire autrement ». Eh bien vas-y, viens le dire. Mais ne viens pas le faire, vous comprenez? Voilà ce que c'est, le capitalisme français. Des incapables, des mendiants de subventions publiques, des gens cupides, qui passent leur temps à vouloir toujours plus. Et vous savez qu'ils ont une loi de finances qui est faite pour les servir, là. Hein, voilà, c'est ça. Alors c'est moi qui le dis, ça va pas me valoir des amis d'avoir parlé comme ça encore. Ils m'ont dit, il exagère. Non, c'est la vie qui est exagérée. C'est la cupidité de ces gens qui est exagérée. C'est leur inutilité, leur incapacité qui est exagérée. Voilà. Moi, je ferai, avec Mathilde et les autres camarades qui sont là, on fera ce qu'il faut pour vous aider. Hein? Vous nous direz ce qu'on doit faire. On fera notre part de la tâche qu'il y a à faire. Mais à vous autres, d'abord, je vais vous dire toute mon affection et ma fierté de vous avoir connu. L'État à 20%, l'État pourrait racheter ses 20%, il ferait une bonne affaire financière et la France continuerait à disposer de son appareil de production. Hein? On le sait, ça. Donc, les amis, c'est de la politique. Dites-le à tout le monde autour de vous. C'est de la politique. Ce sont des dirigeants politiques qui ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour l'intérêt général du pays. Ils ne le veulent pas, parce qu'ils ont d'autres arrangements. C'est pas que ça s'impose à eux, c'est leur volonté qui a cédé devant celle des autres. Voilà, on s'en souviendra.